On est donc à Orgeval, au niveau du Novotel. Et pour le coup, donc, il y a la queue ici. Il y a que, malheureusement, 4 bornes. Voilà comment c'est fichu. Il y a un Ibis Budget, donc on est dans une zone limite industrielle commerciale. Et malheureusement, c'est un endroit donc où on peut pas trop, on va dire, conseiller, en tout cas à éviter pratiquement toute la journée, même en semaine, parce qu'il y a énormément pour le coup de VTC qui viennent se charger ici. Et en fait, la charge est partagée 150 kWh. Et malheureusement, donc on est à 75, on est bridé à 75 et tout le temps, en fait, il y a tout le temps du monde. Donc là, tu vois, il y a deux personnes qui attendent, mais c'est vite point. Et là, la sortie est juste là. Donc finalement, on va mettre 70% et on va repartir. Je referai Vélizy la prochaine fois. Et puis s'il y a des personnes, pour le coup, qui veulent qu'on fasse le test entre une batterie CATL et une batterie BYD, avec grand plaisir. Donc la borne en plus est limitée à 125 kW. Et donc, comme tu vois, j'invente rien. Dès qu'il y a une personne qui s'en va, on apprend un peu plus. Mais on est limité à 56 kW. Enfin, c'est vraiment très, très faible. Voilà, donc l'information que tu retrouves ici. Alors, c'est vrai que ma femme vient de me noter que par Lidl est à 42 centimes. Et je pense que ce que les gens sont intéressés, c'est le prix. 34 centimes, c'est pas cher du tout. Donc, la limite, t'as le temps d'aller te restaurer en pratique. J'aurais dû aller à Vélizy. Pourquoi ? 29 centimes. Ouais, c'est Kamel qui va à Vélizy. 29 centimes. La prochaine fois, on va à Vélizy. On va aller tester à Vélizy.